les milieux politiques, on n'aimait pas Lumumba parce qu'il était un homme autonome. C'était un homme, disons, décidément libre. C'était un personnage qui me paraissait très ambigu. Il se dévoilait pas. C'était un combattant, oui. Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur. L'homme a éliminé, c'est Patrice Lumumba. La chaîne de commandement remonte très haut. Elle remonte aux autorités de Bruxelles, elle remonte à l'entourage du roi Baudouin. Toute cette opération a abouti dans la prise du pouvoir de Mobutu. Donc c'est une dictature féroce. Ce n'est pas tellement la personne de Lumumba qu'il faut pleurer, c'est le Congo. 17 janvier 1961, 21h43, ce jour-là, Patrice Lumumba, premier ministre congolais, est assassiné. C'était il y a 50 ans. Pendant toutes ces années, des livres ont été écrits, des films ont été réalisés et il y a 10 ans, une commission d'enquête parlementaire établissait la responsabilité morale de la Belgique. Mais de larges zones d'ombre et de malaise persistent dans cette histoire, une histoire fort peu glorieuse pour la Belgique et les États-Unis, mais aussi pour les Nations Unies et le Congo. Car ce jour-là, en tuant Patrice Lumumba, c'est aussi une démocratie naissante que l'on a assassinée. Un dossier de Bernard Balteau et Michel Metz. La Belgique se penche sur son passé. La commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba a été installée. L'une des questions à laquelle il faudra répondre, le gouvernement belge de l'époque était-il impliqué directement dans cet assassinat ? Qui a tué Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo ? Cette question hante la Belgique depuis janvier 1961. 40 ans après les faits en 2000, des parlementaires belges, tous partis confondus, ont planché pendant 18 mois sur cette question complexe, délicate. Les travaux de cette commission d'enquête ont été suivis de près par les Belges, mais aussi par les Congolais. Si on fait de la clarté là-dessus, on peut les affronter à visage ouvert et dire oui, nous avons le courage d'examiner ce que nous on a fait dans le temps et on vous demande avec encore plus d'insistance de rétablir un état de droit dans votre pays. La commission Lumumba avait les pouvoirs d'investigation d'un juge d'instruction. Elle a examiné quantité d'archives et de documents d'époque, entendu de nombreux témoignages, pour conclure dans un volumineux rapport que la Belgique a dans l'assassinat de Patrice Lumumba une responsabilité morale. Ce travail considérable de la Commission n'avait jamais été entrepris auparavant par une ex-puissance coloniale. Il fut certes bien utile, mais ses conclusions ont laissé les spécialistes sur leur faim, à commencer par les experts de la Commission eux-mêmes. Est-ce qu'il reste des archives ? Est-ce qu'il reste des témoins ? Ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà, mais peut-être que jamais on ne saurait toute l'histoire. En tout cas, je pense qu'il y a encore lieu de faire des recherches supplémentaires. Il y a encore des choses à découvrir ? Au niveau de la commission, on constate que les acteurs d'en bas sont suffisamment bien connus, mais les ordres d'où ils viennent, plus on monte vers le haut, plus au moins ça devient le gouvernement, l'autorité, mais qui ? Oui, il reste toujours un malaise, en tout cas en Belgique, comme une affaire qui a été souvent abordée, mais dont le fond n'est toujours pas élucidé. C'est un peu comme un cadavre dans le placard, on sait qu'il est là, on a ouvert la porte, on l'a entrouverte, on a été voir et il y a tout de même ce sentiment diffus qu'on n'a pas encore tout dit, qu'on n'a pas encore dévoilé tous les ressorts, toutes les complicités dans sa mort sur le plan belge et sur le plan international. On ne parle plus beaucoup de Lumumba dans les écoles, ni en Belgique, ni au Congo. Pourtant, Patrice Lumumba est devenu un véritable mythe. Au moment de sa disparition, une vague d'émotions a parcouru le monde, une vague immense à la mesure des espoirs que le leader africain avait soulevés dans les peuples du tiers-monde. Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans le Sankuru, au centre du Congo. Il fait partie de la tribu des Atetela. C'est un enfant timide, mais curieux de tout. Adolescent, il apprend à dominer sa timidité et ses copains le décrivent comme courageux, obstiné, voire impertinent.
C'était un autodidacte. Il avait suivi des cours à l'école catholique, à l'école protestante, l'école pour évoluer, la formation à la poste et tout ça. Mais surtout, c'était un dévoreur de livres. Il avait un appétit de lecture, de culture immense. D'après ses biographes, il lisait des nuits entières. Il ne voyait pas sa famille parce qu'il devait étudier. Et donc, il était atypique parce qu'il voulait monter dans l'échelle sociale. Il voulait comprendre, il voulait apprendre, il voulait maîtriser le français. C'était difficile au début parce qu'il l'a appris vraiment sur le tas. Et finalement, il le parlait remarquablement bien. En 1955, Baudouin effectue un périple triomphal au Congo belge. Les Congolais le surnomment Bwanaki Toko, gentil patron. Nous sommes ici à Stanleyville. Dans la foule qui entoure le roi, un commis des postes, son nom, Patrice Lumumba. Il a 30 ans. C'est un évolué, comme on dit dans le langage colonial de l'époque. Mais son apprentissage politique a commencé. Lumumba deviendra bientôt un nationaliste agissant. Qui est Patrice Lumumba? Lumumba est un des rares Congolais à avoir profondément pris conscience de son identité. Et dans la personnalité de Lumumba, il y a deux identités qui se conjuguent. Lumumba noir, il s'identifie comme noir, noir être humain, face au blanc dominant. Et la deuxième identité, Lumumba congolais. Lumumba par rapport à cet espace, à ce pays qu'on appelle le Congo. À cette époque, des voyages d'études sont organisés en Belgique pour quelques évolués congolais triés sur le volet. Patrice Lumumba fait partie d'un de ces voyages en 1956. Les visiteurs congolais sont notamment impressionnés par le spectacle d'Européens effectuant des travaux auxquels seuls les Noirs sont contraints en Afrique. Les séjours de ce type vont bien sûr contribuer à la fermentation des idées chez les Africains. Peu après, Lumumba séjourne 18 mois en prison. La poste de Stanleyville l'a accusé d'avoir détourné des fonds. Libéré, il retrouve du travail. Chargé des relations publiques d'une importante brasserie, il devient populaire dans les quartiers africains de Léopoldville. Il avait du charisme et c'est cela d'ailleurs qui peut-être le mènera encore plus vite à la mort, c'est qu'on avait toujours peur qu'il retourne les foules. Il avait cette capacité de parler à la population et de dire les choses qui émouvaient les gens par ses discours, par plus que ça aussi, par sa capacité de mobilisation, par le fait qu'il transcendait les ethnies, qu'il transcendait les critères régionaux, qu'il était un peu le symbole de la nation congolaise. Quels sont ses défauts? Le défaut de Lumumba, c'est qu'une fois qu'il se décide... Il est têtu. Il est têtu. À partir d'avril 59, Lumumba dira à plusieurs reprises dans ses notes, ni brutalité, ni menace, rien ne m'arrêtera. La pensée politique de Lumumba, ce n'est pas le discours du 30 juin. La pensée politique de Lumumba, c'est ses poèmes. Pleure, ô noir frère bien-aimé. Cela, on sent toute la douleur que ressent Lumumba, le vécu du noir. Ô noir, bétail humain depuis des millénaires, tes cendres s'éparpillent à tous les vents du ciel, condamné au travail forcé, telle une bête des sommes, de l'aube au crépuscule sous un soleil de feu, pour te faire oublier que tu étais un homme. En forçant le respect de l'homme blanc, en lui disant tout haut que dorénavant, ce pays n'est plus le sien, comme au vieux temps. Tu as permis ainsi à tes frères de race de relever la tête et de regarder en face l'avenir heureux que promet la délivrance. Mais Lumumba, c'est un homme profondément déçu. Non seulement il est profondément déçu, mais Lumumba découvre finalement aussi que le maître n'est pas aussi brillant, n'est pas aussi digne, n'est pas aussi compétent à diriger ce vaste pays qu'est le Congo. Et on voit, on le sent, qu'à partir de fin septembre 59, entre Lumumba et la colonisation, c'était fini.
pas de collaboration, désobéissance civile. Cela fait 80 ans que cela dure. Au début, c'était le trafic d'esclaves. Ensuite, le trafic d'ivoire. Après, la décimation des villages pour exporter le caoutchouc. Et aujourd'hui, les diamants, le cuivre, le manganèse, le zinc. Tout le monde sait quelle est pour demain l'indépendance. Dimanche 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville. C'est la fin d'un rêve, d'une illusion. À l'occasion d'un meeting politique interdit par les autorités, la foule se déchaîne. On assiste à des scènes de pillage et de destruction. Et pour la première fois, on entend des cris de haine à l'encontre des Belges. Il y aura de nombreux morts, tous des civils noirs, sans compter les blessés et les dégâts matériels incalculables. Nationalisme grandissant chez les Africains, immobilisme des responsables belges, ajouté à la misère des bidonvilles, tout cela crée un mélange détonnant. En Belgique, on commence à se rendre à l'évidence. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la situation réelle de la colonie et d'y apporter une réponse lucide et courageuse. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Et le message royal a été accepté, accueilli avec enthousiasme au Congo. Si Léopold II est considéré comme le roi bâtisseur qui a permis à la Belgique d'avoir une colonie au Congo, Sa Majesté le roi Baudouin doit être considéré comme le roi libérateur qui aura permis au Congo d'obtenir son indépendance. En prononçant le mot indépendance, Baudouin ne se doute pas qu'il deviendra réalité aussi vite. En effet, 18 mois plus tard, la République du Congo allait naître, dans la fête d'abord, et puis rapidement dans le sang et les larmes. 18 mois, c'est court, beaucoup trop court pour créer une nouvelle démocratie de toutes pièces. Le délai est intenable et le pari inconscient. Mais en ce début d'année 1959, la machine est lancée. Et cette indépendance, dipenda, comme disent les Congolais, ils la veulent totalement et tout de suite. Au Congo, le mot indépendance devenait un mot magique. Les partis politiques s'organisent. Deux leaders vont dominer la scène politique congolaise, Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba. Entre les deux hommes, il y a bien souvent une surenchère nationaliste. Patrice Lumumba a 34 ans. Avec son mouvement national congolais, il est déjà candidat au pouvoir. Nous l'avions rencontré pour la première fois en mai 59. La Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Partout au Congo, les partis politiques se multiplient et tiennent meeting sur meeting. Parfois, les esprits s'échauffent. À Stanleyville, les 28 et 29 octobre 1959, Lumumba prononce deux discours qui enflamment littéralement la foule. Une émeute éclate le lendemain, la force publique doit intervenir, il y a 23 morts. De quelle nature étaient ces discours ? Incendiaire, il appelait au combat. Véritablement, sans équivoque ? Oui, je ne me rappelle plus les termes, mais on a enregistré ce discours. Il y avait parmi les fidèles de Lumumba, il y avait un de ses collègues qui avait sur lui un appareil enregistreur. C'est ce qui fait qu'on possédait la totalité de ces deux discours. Il y a eu 23 morts durant les émeutes de Stanleyville. Oui, j'ai été chargé de l'instruction, mais je n'ai jamais pu établir un lien direct au point de vue pénal. Il faut bien distinguer le lien moral, le lien psychologique, le lien politique et le lien pénal. Moralement, et personnellement, j'estime qu'il était responsable des émeutes, mais ces événements étaient pressentis
avant même son arrivée à Stan. Et c'est justement par Stanleyville que fin 59, le roi entame un nouveau périple au Congo. Il veut s'informer sur place de la bonne marche vers l'indépendance. À quelques centaines de mètres de l'endroit où Baudouin atterrit, le leader charismatique congolais est derrière les barreaux. Le Congo avait pratiquement explosé. L'autorité n'existait pas. C'est le type de voyage qu'on rend à un parent qui vit ses derniers jours malade et puis on dit que bientôt c'est la mort. Ça, c'est le type de voyage que le roi fait en 59. 17 décembre 1959, 1h de l'après-midi à l'aérodrome de Stanleyville. Lorsqu'il atterrit, le roi est applaudi, mais ceux qui l'entourent, les fonctionnaires belges, sont hués. Quand la porte de l'avion s'est ouverte, moi j'étais parmi les officiels et le roi s'est arrêté, manifestement hésitant, parce que la foule avait escaladé les barrières et arrivait sur l'aérodrome. Ce moment, je ne sais pas l'apprécier, il m'a paru très long. Mais il a été assez long que pour que les officiers de la force publique mettent sabre au clair. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. On ne voit pas ça. Et donne des ordres aux soldats pour empêcher la foule de venir. Lumumba était en prison. Pour les Congolais, le roi venait libérer son ami. Donc ça, c'était la rumeur qui circulait. C'était la rumeur. Et donc, tous ces Congolais qui sont là à l'aéroport, c'est parce qu'ils viennent demander au roi de libérer Lumumba. De libérer Lumumba. Le roi et les personnalités qui l'accompagnent sont littéralement noyés dans cette véritable marée humaine. Le roi n'en conserve pas moins son sang-froid. Il salue longuement le drapeau du groupement de la force publique. C'est bien beau, parce que le 17 décembre, 59, c'était le 50e anniversaire de la mort de Léopold II. C'est le roi qui a créé le Congo. Alors, il était question que le roi ait déposé gerbe de fleurs, mais pour que le roi aille, la foule attendait le roi pour que le roi aille libérer son ami Lumumba. La prison où Lumumba était incarcéré se trouvait à quelques 400-500 mètres de l'endroit où était le monument où de Léopold II. Le roi a dû retarder cela jusque vers 18h, 19h, que la foule se disperse. Le roi n'a pas voulu rencontrer la foule. Baudouin ne rencontrera pas Lumumba non plus. Celui-ci attend son procès en prison. Le juge Delvaux est chargé de l'instruction. Quelle est la première impression que vous fait Patrice Lumumba quand vous le rencontrez? Vous êtes en tête à tête? Ah oui. Qu'est-ce qu'il vous fait comme impression, de prime abord? De prime abord, il était terriblement taiseux. Autant ses paroles s'envolaient quand il était en face de la foule, autant il était prudent. Moi, pour le mettre à l'aise, je lui avais dit d'emblée, parce qu'il y est tout d'abord. Il y est tout. Je lui avais dit, écoutez, comme homme politique, vous avez le droit de parler de l'indépendance. C'est votre droit le plus strict, mais appelez au sang et au combat, alors que Bruxelles vous accorde tout ce que vous demandez. Non seulement c'est inutile, mais c'est provocateur et c'est dangereux. Et je dis, vous voyez le résultat, il y a 23 morts ici à Stanleyville. Début 60, le procès de Lumumba s'ouvre à Stanleyville. Dans son réquisitoire, le ministère public réclame contre lui 4 ans de prison, sans qu'aucun lien pénal ait pu être établi entre les deux discours d'octobre 59 et les émeutes qui ont suivi. Moi, je suis sur la photo ici. Je regarde mes notes. Je suis jeune, là. J'avais 36 ans. Lumumba devait avoir mon âge à peu près. Le procès a eu lieu un peu au-delà de la mi-janvier. Si mes souvenirs sont bons, il a dû se terminer le 20 ou le 21 janvier. Je sais qu'il a été condamné à 6 mois. Pour vous, c'était une peine qui n'était pas suffisante? C'était un point de vue, c'était le point de vue du président du tribunal. Moi, j'étais officier du ministère public. J'avais un autre point de vue. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce moment-là? De ce moment-là? Eh bien, écoutez, on ne se rendait pas compte qu'on faisait l'histoire. Le
Lumumba sera pourtant libéré quelques jours plus tard. Et pour cause, au même moment débute à Bruxelles la fameuse table ronde. Lumumba débarque en Belgique tout auréolé de son bref séjour dans les prisons coloniales. Malgré les profondes divisions et inimitiés qui les séparent, les délégués congolais se sont unis pour réclamer la libération de Lumumba et sa présence à la table des négociations. Ils savent qu'ils ne peuvent se passer de l'immense popularité de leur rival. Cette table ronde est en réalité carrée. Belges et Congolais vont y débattre pour s'accorder sur les modalités de l'indépendance. Les modalités et surtout la date à laquelle elle sera octroyée. Les délégués africains sont décidés à arracher l'indépendance dans les plus brefs délais et pour être brefs, ils seront brefs, l'indépendance est fixée 6 mois plus tard, le 30 juin. Cette décision a été prise avant que Lumumba n'arrive à la table ronde politique. La date de l'indépendance n'a pas été fixée par Lumumba. Lumumba a trouvé cette date fixée. En fixant la date de l'indépendance au 30 juin, le pouvoir colonial espérait jouer sur les contenus de cette indépendance. C'est là où la Belgique rencontre Lumumba. Et là, ça sera un choc frontal. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. Nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Les Congolais ne cachaient pas leur joie. L'indépendance au 30 juin, qu'elle se rébelle la République après la souveraineté belge. Et puis, les politiciens n'avaient-ils pas répété « indépendance égale abondance » ? Quelques blancs, plus lucides que d'autres, ne partageaient pas l'optimisme officiel. Ils savaient qu'au 30 juin 1960, il y aurait au sommet un président et des ministres, mais en dessous, rien. Pas d'administration noire, pas de cadre noir. Le 20 février 1960, la table ronde se termine et les Congolais, tout sourire, rentrent chez eux. Le roi Baudouin, lui, réunit ses ministres d'État en conseil de la couronne. Le moment est historique, la tension maximale. Ils se sont fait, je dirais, engueuler. C'est un terme peut-être qui n'est pas tout à fait exact. Mais le roi a commencé par dire un certain nombre de choses à ses ministres, du style... En 57, je vous ai écrit et je vous ai dit ceci. En 58, je vous ai dit ça. En 59, j'ai écrit encore au Premier ministre, je dis, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et maintenant, on en est à avoir donné l'indépendance du Congo dans des circonstances que je réprouve, mais ça, c'est moi qui le dis. Et vous me dites, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, je demande conseil au conseil de la couronne, qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Le roi, quand il a entendu tout le monde, il a tiré les conclusions en disant, au fond, je vous ai entendu, mais on ne sait rien de plus sur ce qu'on aurait dû faire, ni ce qu'on va faire maintenant. Donc, amen, les choses sont comme ça, et bien elles seront comme ça. Aux élections du mois de mai 1960, deux leaders politiques sortent du lot. Lumumba, qui prône un Congo unifié, et Kasavubu, partisan d'un État fédéral. De multiples tractations vont déboucher sur un compromis à la Belge. Kasavubu sera président et Lumumba premier ministre. Mais en Afrique, quand il y a deux chefs, c'est qu'il y en a un de trop. Le pouvoir colonial vit ses dernières semaines. Dans un mois, ce sera l'indépendance. Lumumba prend la tête du collège exécutif qui s'installe à Léopoldville. Kasavubu, lui, sera le premier président congolais. Ce n'est pas sans émotion
que je vous remercie pour cette marque de sympathie. Je vous assure que je ne m'y attendais pas. Jusque 58-59, c'est Kassavubu qui était vraiment le leader radical. Mais par après, Kassavubu, on le voit reculer et autres là, il veut le pouvoir et dès qu'il a eu le pouvoir, il oublie son identité. Tandis que Lumumba, plus il monte, plus il a le pouvoir, plus il affirme son identité. Au nom de mes collègues, je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Il était l'homme qui portait cette revendication de l'indépendance. C'était l'homme qui l'incarnait. Et donc, c'est vers lui que se sont dirigés les feux. Les Belges avaient l'impression qu'avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire qu'on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge, appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça. Ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce qu'il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical, il n'était pas anti-belge, il ne demandait pas une indépendance pure et dure. C'était un homme lucide aussi, et il connaissait bien l'état d'impréparation des Congolais. Il savait que si l'indépendance leur était balancée comme ça le 30 juin, il serait peut-être incapable de la gérer. Il la voulait, il en avait peur, il demandait l'aide des Belges, mais il n'était pas vraiment corruptible ni malléable. Quoi qu'il en soit, l'indépendance sera proclamée à la date prévue. Et le 30 juin, la Belgique remet les clés du Congo à ses authentiques propriétaires. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Le roi, ce qu'on lui a reproché dans son discours, c'est une auto-satisfaction pour tout ce que les Belges avaient fait, qui était, à mon avis, justifié, mais peut-être pas dans la manière dont il a dit. Donc, le roi rappelle toutes les réalisations belges qui, à ce moment-là, sont assez étonnantes pour l'Afrique, soyons clairs. Le fait de donner l'indépendance au Congo, il ne remet pas du tout cela en doute. Donc, il n'y a jamais eu, dans l'idée du roi ou des responsables belges, cette idée que, au fond, on vous l'a donné, mais on la reprendrait bien. Non, ce n'est pas vrai. Et ça n'a jamais effleuré personne, parce que quelque part, on ne souhaitait pas, vous m'entendez bien, on ne souhaitait pas rester au Congo. Mais ça, je le dis à titre personnel. Dans une attitude de profonde humilité, j'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple. On peut dire que le discours de Kassavubu et le discours du roi du 30 juin, ces deux discours ont été écrits par à peu près le même groupe. La colonisation a construit un pays, il faut garder ce style, et ces modèles, il faut aller dans cette direction, il faut garder au moins la même direction. Tandis que le discours de Lumumba qui tranche le modèle colonial a été ce qu'il a été. Si nous voulons le développement du Congo, il faut réaménager profondément, il faut sortir de ce modèle. C'est ça le discours de Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. La célébration par le roi du bon temps de la colonie, son hommage appuyé à Léopold II, choque Lumumba et son entourage. Un de ses conseillers belges l'a convaincu de répondre au roi, alors que le protocole n'avait pas prévu une intervention du Premier ministre congolais. Deux, trois jours avant le 30 juin, je reçois de l'ami qui s'occupait de la presse gouvernementale les textes du discours du roi Baudouin et de Kassavubu, le président de la République. Et je trouve ces discours, en effet, terriblement paternalistes, léopoldiens au sens de Léopold II, et je trouve ça un peu
lamentable et je dis à Lumumba, tu peux pas laisser passer une chose pareille. Un jour du 30 juin, le monde entier sera présent pour la libération du Congo, etc. Il me dit, mais Jean, c'est impossible, tu sais bien, le protocole, c'est sacré, on ne sait pas changer les choses. Je dis, Patrice, c'est vrai que j'ai pris là une responsabilité que j'ai cachée pendant 25 ans, parce que bon, ça faisait quand même pouvait faire beaucoup de bruit. Je dis, tu seras à 3-4 mètres du micro quand le roi a terminé. Et puis, Kasavubu, tu te lèves et tu fais ton discours. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vœu honorable était réservé au seul blanc. Ça a été très mal perçu par les Belges. J'avoue, très honnêtement, que le discours de Lumumba a été applaudi à plusieurs reprises par les représentants congolais. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours du 30 juin au moment de l'indépendance ? Je l'ai applaudi. Je l'ai applaudi. Parce que je trouvais qu'il convenait au public qui se trouvait dans la salle. Parce qu'il faut penser qu'il y avait une rangée de blancs, disons de blancs, mais toute la salle, c'était des noirs. C'était des Congolais. Alors c'est à eux qu'il s'est adressé. Ce discours n'est pas nouveau. À 80%, c'est le discours que Lumumba avait prononcé à la fin de la table ronde politique le 20 février 60. Lumumba dit à peu près la même chose. À 80%, c'est le discours que Lumumba avait prononcé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui s'indignaient du discours de Lumumba, mais bon, moi, je ne m'en indigne pas encore maintenant. C'était une réponse au discours provocateur du roi. Les Congolais en avaient marre d'entendre parler de Léopold II. Il faut se mettre à la place, non pas des Belges, mais des Congolais qui accédaient ce jour-là à l'indépendance. C'était le premier jour où ils pouvaient dire librement ce qu'ils pensaient. C'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et il ne disait pas la vérité dans son discours ? Pardon ? Il ne disait pas la vérité dans son discours, Lumumba ? Écoutez, c'est très difficile. Il disait des choses qui étaient sûrement réelles, mais il l'a dit d'une manière qui était trop virulente, c'est tout. Mais là, Lumumba s'affirme, c'est clair. Kasavubu a fait son discours dans l'intérêt général, soyons clairs. Et là, Lumumba s'affirme, et il s'affirme sur le plan national, mais international. Le transfert de souveraineté de la Belgique au Congo a bel et bien lieu ce 30 juin 1960. Un traité d'amitié entre les deux pays est signé comme si de rien n'était. Après quoi, le roi se lève, il n'a qu'une seule envie, rentrer chez lui. La délégation belge venue pour les festivités de l'indépendance quittera sa désormais ancienne colonie avec rancœur. Restés sur place, les Belges du Congo vont eux connaître des jours bien difficiles. À peine les lampions éteints, les soldats congolais de la force publique, toujours dirigés par des officiers blancs, se mutinent. Tout le monde va être rapidement dépassé par les événements, à commencer par les nouveaux dirigeants du pays. La fête est finie. C'est une explosion de luttes tribales et de grèves sauvages. La force publique, qui obéissait encore aux ordres, fait son métier de répression, non sans quelques brutalités. Les politiciens, écartés du pouvoir, n'étaient pas étrangers à toute cette agitation, mais il y avait aussi autre chose. L'indépendance n'était pas la même pour tous. Il y avait les ministres et leurs belles voitures héritées des Blancs. Il y avait le petit peuple qui ne gagnait pas plus qu'avant l'indépendance. Pour l'instant, les soldats de la force publique font leur métier,
mais eux aussi seront bientôt déçus. Pas d'augmentation de soldes et des officiers blancs qui continuent à les commander. La mutinerie éclate le 5 juillet au camp Hardy à Thaysville. Les officiers blancs seront emprisonnés, frappés, battus. Des dizaines de femmes européennes seront violées. Pour la première fois, les soldats vont s'en prendre aux blancs. Au départ, la rébellion, c'est contre le gouvernement et contre Lumumba. Oui, mais c'est aussi parce que les Belges n'ont rien préparé. Mais ça c'est antérieur. Vous me parlez des jours de juillet, c'est vrai. Oui, mais c'est une résultante de cette indépendance qui a été faite sans qu'il y ait une africanisation des cadres à la base. C'est tout à fait exact. À l'époque, il y a des adjudants, des sergents-majors-chefs, qui sont congolais, mais il n'y a pas un sous-lieutenant congolais. Ça, c'est certain. Si on doit faire le procès de la décolonisation, ce que j'ai fait récemment, ben ça, c'est certainement une des choses. C'est cette non-préparation. Face aux mutins, Lumumba, qui est aussi ministre de la Défense nationale, réagit rapidement. Il remplace l'état-major belge par des officiers congolais. Il s'efforce de calmer le jeu. Mais les Belges du Congo prennent peur. Hommes, femmes et enfants fuient massivement l'ancienne colonie. Fuyant le Congo pour la Belgique, dans le vacarme assourdissant des avions à réaction Boeing et des appareils de tout type, déconnant sans cesse un pont aérien presque continu. Le gouvernement belge décide alors l'envoi de parachutistes. Ils débarquent dans les grandes villes congolaises 10 jours à peine après l'indépendance. L'humiliation n'allait plus s'arrêter. Ils étaient prêts à tout, même sacrifier leurs propres compatriotes. Il fallait un coupable pour expliquer cette catastrophe. Il fallait faire taire le rebelle, quel qu'en soit le prix. Durant toute cette époque-là, comment est représenté Lumumba dans la presse ? C'est le dernier des derniers pour les Belges. Hein. Il faut se remettre 50 ans en arrière, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que, autant le Congo ne passionnait pas l'opinion publique belge, autant depuis le retour des Belges, l'exode de juillet, les gens ont été très sensibilisés, surtout ceux qui avaient de la famille là-bas. Donc il y a, vis-à-vis de Lumumba, il est responsable de tout. Hein. Pour les Belges, on ne fait pas... Il y a une diabolisation. Pardon ? Il y a une diabolisation. Tout à fait. Et alors, on l'appelle le diable, d'ailleurs. Oui, on le surnomme le diable. Mais c'était pire que ça. Il y a dans un article de tête de la Libre Belgique, signé Marcel de Corte, qui est professeur à l'Université de Liège, tout simplement, qui dit dans le corps de son article qu'un geste viril, c'est ce terme, hein, un geste viril nous aurait débarrassé de cet histrion sanglant. C'est pour vous dire que ça allait quand même très loin. Moi, j'étais encore très jeune et j'avais mon attention attirée par cette espèce de déferlement de haine, de détestation que soulevait ce monsieur que moi, je ne connaissais pas du tout. Et alors, j'ai commencé à lire les journaux. À l'époque, on disait un peu la Libre Belgique et le soir chez moi, et j'étais frappée de cette rancœur à son égard et ça m'intriguait parce que c'était pas très fréquent quand même dans la presse de l'époque d'avoir quelqu'un à ce point diabolisé. En Belgique, on va dire de lui qu'il est communiste, ce qui à l'époque a évidemment une signification toute particulière. Est-ce qu'il était communiste ? Absolument pas. Non, c'est les communistes qui couraient après lui. Et lui, il donnait chance. Mais oui, lui, avec le sens de l'amitié qu'il avait, il avait des amis communistes, comme Jules Raskin, c'était vraiment un copain, et il y en avait d'autres. Mais en même temps, je suis témoin, il faisait son siège. Et vous pensiez vraiment que Lumumba pouvait être communiste ? Avoir des accointances ? Bah, écoutez, des accointances, oui, communiste, je n'en sais rien. Et comment ont évolué ces relations ? Bien, à partir du moment où il a compris le danger que ça représentait, il a réuni tout son cabinet en demandant qu'on ne prenne plus aucun coup de fil venant de communistes, amis ou pas.
Ce qui était plus gênant, c'est quand les ambassades de l'Union soviétique et des pays du bloc soviétique commencent à prendre part à la vie à Léopoldville, à avoir des positions, à donner une aide qui devenait de plus en plus claire, que tout le monde s'est commencé à se poser des questions, surtout les Américains à ce moment-là. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire, absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Début juillet 60, au moment des troubles, les fonctionnaires blancs censés soutenir le nouvel État fuient en masse. Le gouvernement de Gaston Esquens est formel, l'intervention des troupes belges au Congo a été décidée dans le seul but de sauver des vies. Mais dans la province du Katanga, l'intervention ne s'arrête pas là. Les parabelges désarment les troupes congolaises. Ils rendent ainsi possible la sécession de cette riche province minière et neutralisent les partisans de Lumumba. Le 11 juillet 60, Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga. Sur ordre de Bruxelles, les fonctionnaires belges sont tenus de rester en poste. La Belgique soutient donc la sécession. Op Katanga betreft stelt zich een bijzonder probleem. Daar ook zijn we opgetreden voor de redding van mensenlevens. Maar het geval Katanga vertoont deze particulariteit. Dat daar de Belgische troepen zijn opgetreden op verzoek zelf van de Katangese regering, voorgezeten door de heer Tshombe. Patrice Lumumba a rompu toute relation diplomatique avec la Belgique. Il exige le retrait des troupes belges et demande l'aide de l'ONU pour rétablir l'unité du Congo. Les troupes de l'ONU arrivent très rapidement. Officiellement, les casques bleus doivent protéger les institutions congolaises et contrer les sécessions. Mais en réalité, l'ONU prend le contrôle de l'État congolais ou de ce qu'il en reste, tout en retirant son soutien à Lumumba. Le 8 août 60, Albert Kalonji proclame à son tour l'indépendance d'une autre province, celle du Kasaï. Le Congo explose. Est-ce que Lumumba commet beaucoup d'erreurs à ce moment-là? Outre le fait qu'il n'arrive pas à contenir les choses. Non, il commet pas une erreur, Lumumba, vis-à-vis de la sécession. Il dit ce que nous, Belges, lui avons toujours dit. Et d'une manière invraisemblable, Lumumba était le plus proche de notre thèse. C'est-à-dire que les Belges voulaient un Congo unitaire. Kasavubu, Tshombe, Kalonji, tout ça, ils voulaient un Congo fédéral, avec des tas de provinces dans lesquelles ils seraient évidemment les chefs. Et lui, il prend des tas d'initiatives, c'est justement pour qu'on évite que le Katanga ne devienne un pays indépendant. Il met tout en branle pour empêcher que les sécessions dans tout le pays ne surviennent. Il en a déjà deux sur le dos, celle du Katanga, et alors celle beaucoup plus sanglante, celle du Sud Kasaï, où il enverra des troupes au mois d'août qui vont carrément faire un génocide, hein, soyons clairs. Alors pourquoi est-ce que les Belges détestent à ce point Lumumba alors qu'ils partagent finalement les mêmes idées? C'est ça que vous me dites. Oui, mais entre dire que Lumumba était unitariste, ce qui est vrai, et qu'on partageait ses idées, il y a une marge dans sa manière d'être aussi. Hein, c'est l'homme en fait qui n'était pas précis. Bien sûr que c'est l'homme, bien sûr, que ce n'est pas les idées. On ne s'est pas battu pour des idées. Mais contre un homme, est-ce que c'est vraiment un combat qui a raison d'être? Vous avez tout à fait raison. Et ce combat ne se terminera que le 17 janvier, quand Lumumba sera exécuté. Soyons objectifs. Pourquoi sa personnalité, c'est très subjectif finalement alors. Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, refuse d'entreprendre une action militaire contre la sécession katangaise. Il passe même un accord avec Tshombe, à qui il va personnellement rendre visite à Elisabethville. Des casques bleus suédois sont envoyés dans la capitale katangaise, mais la sécession en elle-même n'est pas remise en cause. Lumumba voyage un peu partout. Il se démène pour trouver les appuis internationaux que l'ONU lui refuse. Poussé par les circonstances, il s'adresse à l'Union soviétique. Les Russes lui fourniront des avions de transport et des techniciens. L'Ouest se dit choqué par l'aide soviétique.
Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a envoyé des avions et du matériel militaire au Congo, aggravant une situation sérieuse dans laquelle des Africains tuent d'autres Africains. Oui, moi aussi j'ai fait des erreurs. Et l'histoire allait mal finir. On se croyait maître de notre destin, alors que derrière nous, des ennemis autrement puissants menaient le jeu. En 1960, la guerre froide est loin d'être terminée. Ce contexte est déterminant dans l'histoire qui nous occupe. Les richesses minières du Congo sont un enjeu crucial et la crainte des Belges, mais surtout des Américains, est que l'instabilité du pays profite au camp soviétique. Un sociologue a longuement enquêté en Belgique, mais aussi dans les archives américaines et celles des Nations Unies. En 2000, il sort un livre choc. Le choc sera tel qu'il entraînera la création de la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Lumumba. Ludo De Witt, quel a été le déclic, le point de départ de vos recherches? J'ai commencé à m'intéresser pour la crise congolaise et pour le cas Lumumba il y a une quinzaine d'années. Et c'était un intérêt d'abord tout à fait intellectuel. C'était en lisant un livre de Jules Chaumet, qui était un avocat belge et qui, à l'époque, en 60, était un ami et un défenseur de Lumumba. En lisant ce livre, dans lequel il essaye de reconstituer le processus qui a amené à l'assassinat de Lumumba, j'ai dû constater qu'il y avait des trous énormes dans son récit. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à faire des recherches qui m'a amené à New York, aux archives des Nations Unies, en Belgique, États-Unis. Et ce qui a finalement abouti à la production de deux livres, un en néerlandais, Crisis in Congo, et ensuite celui sur la mort de Lumumba. Jusque-là, quelle était votre opinion sur cette affaire? Vous avez l'impression qu'à cette époque, on avait un petit peu oublié, en tout cas essayé de ne plus penser à cette affaire d'assassinat de Lumumba? Disons, jusqu'au moment où j'ai publié mes deux livres, la thèse centrale dans l'opinion mondiale était que cette crise et cet assassinat de Lumumba était une affaire des Congolais eux-mêmes. C'était une affaire de Bantou. Hein. C'était encore la thèse qui a été défendue notamment par Jean Castriat et Jacques Brassine. Ça, c'était la vision dominante. Vous aviez une intuition, vous, qu'il y avait autre chose? En Afrique, dans le tiers-monde, on savait bien qu'il y avait plus que ça, qu'il y avait un rôle prépondérante de la part de l'Occident dans cette affaire. Sur le terrain, l'offensive de l'armée congolaise contre le Katanga sécessionniste échoue. Le transport des troupes à bord des avions soviétiques vire au fiasco. L'ONU refuse d'approvisionner les appareils en carburant. Les troupes de Lumumba ne dépassent pas le nord du Katanga. La crise congolaise atteint son paroxysme. À Léopoldville, la tension monte. Dans les cités, on distribue des tracts sur lesquels on peut lire « Congolais, Lumumba vendra vos femmes aux Russes ». Mais le Premier ministre a aussi des partisans qui manifestent dans les rues. Même en Belgique, les adversaires de Lumumba ne restent pas inactifs. Comme la commission d'enquête a pu l'établir, des fonds secrets sont envoyés au Congo dès juillet 60 pour déstabiliser le gouvernement Lumumba. Ce qui m'a frappé, c'est la piste de l'argent. C'est de découvrir qu'en 60, la Belgique avait voté un budget spécial qui était tout de même de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas rien pour l'époque, qui était un budget spécial pour se concilier les faveurs des leaders congolais de l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est une leçon qui leur a été enseignée en 60, et bien ils l'ont bien apprise, mais il faut retourner aux sources. Donc cet aspect de fonds secret qui échappait au contrôle parlementaire, qui était destiné à soudoyer les dirigeants congolais de l'époque, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, et qui m'a vraiment fait réfléchir. Dans cette fragilisation de Lumumba, quel rôle ont joué les États-Unis? Ben, les États-Unis, ils ont compris très rapidement que Lumumba ne serait jamais un allié sur qui on peut compter. Il faut se mettre aussi à l'époque, on est en pleine guerre froide.
Bon, les États-Unis ont des visées sur le Congo, soyons clairs. Les Américains se disent, oui, mais attention, si le Congo bascule, notre accès aux richesses, aux matières premières, va être bousculé. Et c'est en cela qu'ils se sont intéressés. Ils sont intéressés tellement bien qu'ils ont été jusqu'à programmer l'assassinat de Lumumba avec peu de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on dit les Américains, c'est la CIA qui a programmé, et Develin le reconnaît dans ses mémoires, dans les Congo Papers, on trouve des traces, tout ça, et du domaine public. Oui, j'ai reçu un câble me disant qu'un officier supérieur, que je reconnaîtrai, allait arriver pour me donner des instructions particulières. Je me souviens avoir été complètement surpris lorsqu'il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba. Je n'avais jamais entendu dire que l'agence ait été impliquée dans une telle affaire auparavant. La substance pour éliminer Lumumba était de la pâte dentifrice empoisonnée qui provoquerait une maladie, une sorte de polio ou quelque chose comme ça. On a démenti que le président Eisenhower ait donné de telles instructions. Je ne sais pas s'il les a données ou non. En tout état de cause, il a bien fallu que quelque chose soit dit. Soit le président l'a dit, soit il a été mal compris, mais sans aucun doute, j'ai pensé à l'époque que c'est le président qui avait donné l'ordre. Début septembre, Belges et Américains font pression sur le président Kasavubu pour qu'il démette son premier ministre. Dans la résidence présidentielle sur la rive du fleuve Congo, on assiste à un va-et-vient continuel de visiteurs étrangers. Le 5 septembre, Kasavubu prend une décision. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Il y a des documents qui démontrent que chez le premier coup d'État par lequel le gouvernement Lumumba a été renversé, que les Nations Unies ont joué un rôle décisif. Les Nations Unies étaient au courant dès le début que ce coup d'État allait se produire. Les Nations Unies, ils ont fermé la station de radio, de sorte que Lumumba ne pouvait pas mobiliser ses supporters contre ce coup d'État, bien que, à l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, les adversaires de Lumumba avaient une station radio pour défendre leur position. Les Nations Unies ont aussi fermé l'aéroport, de sorte que Lumumba ne pouvait pas faire appel aux soldats congolais pour venir à la capitale, pour finir avec ce coup d'État. On voit clairement que les Nations Unies ont agi comme un instrument dans la main de la Belgique et surtout de son partenaire qui était en même temps l'acteur le plus dominant dans le camp occidental, c'était les États-Unis. Quelques jours après avoir été démis de ses fonctions par Kasavubu, Lumumba démet à son tour le président. Tout est bloqué à Léopoldville. Lumumba sent que le piège se referme. La situation est si chaotique qu'un colonel qui vient d'être nommé chef des armées par Lumumba va bientôt sortir de l'ombre. Il va prendre le contrôle du pays et créer un nouveau gouvernement provisoire. Il bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et plus discrètement des Nations Unies. Ses troupes tiennent la capitale. Il va bientôt devenir l'homme fort du Congo. Il s'appelle Joseph Désiré Mobutu. Si l'armée, au mois de septembre 60, a pris position dans l'événement, n'est-ce pas, qui se déroulait sous nos yeux, c'est parce que le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays, c'est ce que nous avons fait. Mobutu, ou l'irrésistible ascension d'un ancien sergent-major. Promu par Lumumba lui-même, secrétaire d'État à la Défense, peu après l'indépendance, puis chef d'état-major de l'armée congolaise, le colonel Mobutu, on le sait aujourd'hui, agissait en coulisses pour le compte de la CIA. Et les Belges lui faisaient confiance pour trahir Lumumba.
quels étaient ses rapports avec Mobutu? Ce que j'ai pu en voir, c'est que ça manquait un peu. Parce qu'à l'époque, Mobutu buvait énormément. Donc il était toujours ivre. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait des réunions où Mobutu se pointait. Comme pour venir voir de quoi on parlait, quoi. Et Lumumba lui disait, Joseph, tu sais où est le whisky, mais va te servir. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vraiment senti une tension qui s'installait? Pas de manière directe, mais indirectement, oui. C'est-à-dire? Ben, les commentaires qu'on entendait en coulisses, quoi. Les premières tentatives d'assassiner Lumumba sont venues après. Au moment où, une fois qu'on avait déposé Lumumba, donc il était éliminé politiquement, qu'il restait très populaire et qu'il risquait de revenir sur la scène politique et de reprendre le pouvoir. C'est sa popularité qui faisait peur? Je crois que ça c'est très important de pas isolé et de pas axer toutes les attentions sur Lumumba comme personne, comme individu. C'était un dirigeant charismatique qui dirigeait la foule, la masse. Et c'est ça qu'il représentait. Lumumba a été écarté, mais il ne s'avoue pas vaincu. Il a toujours le soutien de nombreux partisans dans les quartiers populaires de la capitale. Un discours suffirait à déclencher une émeute. Autour de sa résidence, deux cordons de sécurité ont pris place. Le premier est celui de l'ONU. Officiellement, les casques bleus sont censés protéger Lumumba. Le deuxième est celui de l'armée congolaise, l'ANC, qui a pour ordre de l'arrêter. Même isolé dans sa résidence, il représente un danger pour quiconque voudrait reconstruire le Congo sans lui. Le 5 octobre 60, un téléx est envoyé de Bruxelles à Elisabethville. C'est un message codé. Bien des années plus tard, il retiendra l'attention des experts de la commission d'enquête Lumumba. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba, signé Apremont Linden. En fait, il s'agit de deux messages du ministre d'Apremont à un diplomate à Elisabethville, Rothschild. Donc ce n'est pas un message à un officier ou à quelqu'un qui est, disons, prêt à tuer Lumumba, c'est un diplomate. Et qu'est-ce qu'il dit d'Aspremont? Il dit, voilà, il arrive des nouvelles de Léopoldville. On est en train d'y installer un nouveau gouvernement avec des éléments lumumbistes. Alors, qu'est-ce que dit d'Aspremont? C'est invraisemblable, dit-il, mais en tout cas dangereux, parce que ça serait la restauration de Lumumba par la bande, d'une façon indirecte. Il dit... C'est évident que l'élimination définitive de Lumumba est dans notre intérêt. On a éliminé Lumumba le 5 septembre, on ne va quand même pas accepter qu'on le restaure dans un nouveau gouvernement. Voilà, c'est mon interprétation après avoir lu la totalité du Telex dans la version française. Donc vous ne croyez pas, vous, qu'il s'agit là de la preuve irréfutable de l'implication belge dans l'assassinat? Ce n'est pas un ordre d'assassiner Lumumba. Mais... Il y a un élément avec lequel qu'on ne tient pas compte, c'est que les subordonnés du ministre ont à l'époque interprété ce téléx comme le vœu du ministre que Lumumba serait éliminé physiquement. Il y a le colonel Van der Waal qui était là, qui dit ça. Il y a un autre colonel, le colonel Marlière, qui a même déclaré dans une interview qu'au même moment que le ministre a envoyé son téléx, que la main droite du ministre est venue chez lui pour lui proposer un tueur de crocodile pour éliminer Lumumba, donc pour l'assassiner. Il faut rester sérieux. C'est vrai que le texte existe, c'est vrai que la phrase existe, mais dans un contexte qui est de dire il faut l'éliminer. De manière, il ne faut pas qu'ils reviennent dans la vie politique au Congo. Et ça, c'était vraiment l'idée de D'Apremont.
on utilise dans ces documents, qui sont une sorte de camouflage des vraies intentions, ce que les Américains appellent « plausible deniability ». Donc, ce sont des mots qui doivent être clairs pour les subordonnés, qui connaissent le contexte, mais ce sont des mots dans lesquels on demande une action qui est amorale. Et on veut, surtout, si ce document devient public, qu'il y a une certaine capacité de nier d'une façon crédible qu'on voulait, qu'on avait un but, un visé amoral. Et donc ça, c'est un peu le problème avec la Commission. On a pris une lecture défensive, rien que des documents, des sources primaires, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été reconnu par le professeur Gérard après dans une interview. Je ne suis pas d'accord avec cette critique. Hein. Peut-être d'abord, on a publié beaucoup de documents. Peut-être que cela invite à ce genre de critique. Il y a beaucoup de documents dans le rapport. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce qu'on a fait... On a voulu publier in extenso des documents pour le public, afin qu'on ne nous dise pas après coup, vous avez caché quelque chose. Et puis, les choses vont évoluer. Lumumba va fausser compagnie à la garde de l'ANC qui est autour de sa maison et à la garde aussi de l'ONU. À un moment donné, il dit maintenant, la plaisanterie a assez duré, moi je vais aller du côté de Stanleyville, faire mon petit état à moi, et comme les autres, quoi. Et puis après, on envisagera de reconquérir le Congo, ça c'est clair. Lorsqu'il s'est enfui, il y avait des, on faisait rapport, il y avait des photos aériennes de la CIA qui communiquaient aux Belges et aux Congolais les endroits où son convoi s'est arrêté parce qu'il fallait le rattraper, il fallait le remettre en prison. On peut dire qu'il y a eu un enchaînement fatal de circonstances, mais enfin, il n'y a pas de hasard quand on voit la manière dont il fallait que Lumumba soit arrêté, emprisonné. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Lumumba est arrêté par les soldats de Mobutu. Avec ses deux compagnons d'échappée, Okito et Mpolo, il est ramené par avion à Léopoldville. Nous sommes le 2 décembre 1960. Ces images, qui feront le tour du monde, sont les dernières connues de Lumumba vivant. Parmi les images, est-ce qu'il y en a une qui vous revient à l'esprit, qui vous marque en particulier ? Oui, cette image de, comme tout le monde, cette image de Lumumba sur le camion quand il sort de l'avion où il a été battu, maltraité. Il saigne, il est blessé et il a gardé ce regard, le regard d'un homme libre, le regard d'un homme fier qui regarde la foule et qui regarde le photographe dans les yeux. À l'époque, c'est une image qui avait vraiment frappé et qui, je pense, aujourd'hui a gardé toute sa force. Patrice Lumumba vient d'avoir 35 ans. Il aura été Premier ministre pendant 5 mois. Lâché par les puissances occidentales et trahi par les siens, il reste pourtant dangereux. Prisonnier, il est aussi encombrant que s'il était libre. Il n'a plus que quelques semaines à vivre, malheureux vaincu. Patrice Lumumba est conduit sans ménagement au camp de Theysville. Le voici de nouveau en prison. Mais ses adversaires en ont toujours peur. Beaucoup de soldats à Theysville sont pro-Lumumba et seraient donc facilement tentés de lui rendre sa liberté. Alors, à Léopoldville, à Bruxelles, à Washington, les stratèges de la lutte anti-lumumbiste passent à la vitesse supérieure. La commission d'enquête Lumumba établira plus tard que la chaîne de commandement remonte très haut dans les appareils d'État. L'historien Emmanuel Gérard, un des experts de la commission d'enquête, a mené ses investigations jusqu'au sommet de l'État belge. Il y a trouvé plusieurs documents troublants.
Est-ce qu'il y a un document qui vous a marqué en particulier? Oui, un document dans les archives du Palais Royal. Et je me rappelle que j'ai eu la chair de poule. En lisant ce document, c'était une lettre du major Weber, qui était l'adviseur militaire du président Tshombe. Et il écrivait des lettres au Palais Royal, au chef de cabinet du roi, en fait pour informer le roi de ce qui se passait au Katanga. Et mi-octobre, il envoie une lettre au palais dans laquelle il fait rapport d'une visite que Mobutu a fait incognito à Tshombe. Il faut savoir, Mobutu avait pris le pouvoir à Léopoldville, il détestait Tshombe et le Katanga et la sécession. Et donc Weber fait rapport de cette visite et il dit « Une bonne entrevue, ils ont décidé de respecter le statu quo jusqu'au 31 décembre et on va, Mobutu, il va éliminer, ou on va, parce que dans le texte on lit « on va éliminer complètement » et entre guillemets, et si possible physiquement, et suivre trois points le Mumba. Voilà, en lisant ce texte, j'ai eu de la chair du pouls. Qu'est-ce que vous en déduisez? À mon avis, c'était quand même un message assez fort. Un document qui prouve clairement que le roi Baudouin était mis au courant d'un plan d'assassiner le Mumba, sur lequel il n'a pas informé le gouvernement belge à l'époque, et même pire, un peu après qu'il a reçu cette lettre, il a envoyé une lettre à Tshombe, dans laquelle il fait l'éloge de Tshombe et tous les anti-lumumbistes, et il attaque violemment Lumumba. Donc c'est une lettre, de nouveau, selon le concept de plausible deniability, qu'on ne peut que lire comme un feu vert implicite du roi pour en finir avec Lumumba. Et par rapport à la position du roi Baudouin, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Il a reçu ce message. Qu'est-ce qu'il en a fait? On sait que le lendemain, il a fait envoyer un message à Tshombe. Dans lequel il a en fait remercié Tshombe de son attitude. Il a dit on ne peut pas accepter que les rapports entre nos deux pays seraient détruits par la politique d'un seul homme. Mais il ne fait pas allusion à cette phrase. Non, mais c'est quand même un peu étrange que le lendemain de cette lecture, il fait envoyer cette lettre à Tshombe. Le transfert effectif de Lumumba et son assassinat, c'est fait... C'est fait plusieurs semaines après, donc je ne sais pas s'il était au courant de cette affaire. Ça, je suppose que non. Alors justement, durant les travaux de la commission, il a fallu s'attaquer à ce rôle présumé, supposé, envisagé du roi Baudouin. Est-ce que vous avez l'impression que c'était difficile d'en parler? Disons que pour un historien, ce n'est pas difficile d'en parler, parce qu'en fait, ce sont les experts qui ont pris la liberté d'en faire un chapitre dans le rapport. Mais c'est difficile pour les hommes politiques d'en parler, parce que déjà à l'époque, on a pu constater que, par exemple, du côté francophone, on n'aimait pas ce chapitre qui attaquait en fait la couronne, parce que attaquer la couronne, c'est déstabiliser la Belgique. Et dans le contexte dans lequel on vit, c'est pas ce qu'il faut faire du côté francophone. Voilà ce qu'on a constaté en 2000. Est-ce que vous vous souvenez de l'atmosphère à ce moment-là? Comme j'ai dit, hein, une atmosphère un peu fiévreuse. Hein. Mais je pense quand même que je peux dire que par la décision de la commission de faire appel à des historiens, on a un peu dépolitisé cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, en ce début janvier 1961, il règne une forme d'obsession à Léopoldville. Comment mettre définitivement Lumumba hors d'état de nuire? À Stanleyville, ses partisans ont levé une armée et progressent vers la capitale. Il faut faire vite, l'enfermer en lieu sûr. Chez Tshombe, au Katanga par exemple,
ou mieux encore, pensent ses adversaires, le liquider purement et simplement. Patrice Lumumba sait qu'il va mourir. Le 14 janvier, il écrit à sa femme Pauline. Ne pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Le 16 janvier, nouveau téléx du ministre belge des Affaires africaines, Harold Apremont-Linden. Il insiste auprès de Moïse Tshombe, le président du Katanga, pour qu'il accepte au plus vite qu'on lui livre Lumumba. L'obsession était d'éviter en tout cas la libération de Lumumba. C'était le premier souci aussi du gouvernement belge. Éviter qu'il soit libéré. Parce que si l'on parle du téléx du 16 janvier... Oui, on pourrait en tirer la conclusion qu'il y a cette responsabilité pour l'assassinat, mais on peut aussi mettre des doutes là-dessus. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de dédouaner la Belgique, hein, parce que le dossier que les experts ont délivré est accablant pour la Belgique. Mais quand on voit que, par exemple, qu'on ne prend aucune précaution dans l'échange diplomatique sur le transfert, et qu'il y a une sorte de, disons, d'improvisation dans les faits qui se déroulent, je doute, et c'est une question de conscience, c'est simplement une question de conscience, parce que ça serait quand même simple de dire oui, il est coupable, mais je me demande si, avec le téléx du 16 janvier, dans lequel Apremont demande Tshombe de soutenir le transfert, il sait et il veut que ça soit une partie d'un assassinat. D'abord, pour Apremont, c'est une façon d'éviter la libération de Lumumba. Et le reste, ça n'intéresse pas. C'est votre sentiment personnel? Oui. Il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas autre chose. Je dis, j'en doute. Il y a des doutes. Et s'il s'agit d'accuser quelqu'un d'un assassinat, je me dis, tiens, il faut quand même, après 40 ans... avec des gens qui ne peuvent pas là, qui ne sont pas là pour donner leur version de l'histoire, il faut être un peu modeste. Est-ce que vous, à cette époque-là, il y a un moment où vous vous dites qu'il va se faire assassiner, que c'est inévitable? Non. Non. Non, on est... Écoutez, pour être tout à fait honnête, la préoccupation des Belges qui travaillent dans l'administration ou dans l'armée au Katanga, n'est pas de ce style-là, parce que ce sont les autres, ce sont les gens de Léopoldville, ce sont les gens de Léopoldville qui, à un moment donné, vont se débarrasser de Lumumba. Et eux portent une très grande responsabilité, qu'ils ont toujours nié. Nous, on n'a rien fait, pas vu, pas pris. Mais c'est eux qui portent la responsabilité de l'envoi et des Katangais de l'exécution. Mais Mobutu en parle à Kasegubu, qui dit que... pas de trace écrite, évidemment, mais on est certain qu'il a dit « Bon, mais il faut s'en débarrasser. » Vous vous êtes conseillé de Tshombe à ce moment-là? Oui, et nous, c'est très clair. Donc vous êtes aux premières loges pour assister à tout ça? Oui, je suis conseiller de Tshombe, mais au même titre que d'autres. C'est vrai que je m'occupe des affaires diplomatiques, mais ce n'est pas moi qui suis l'homme de la situation, soyons clairs. Et on est tous bien d'accord, ça c'est le leitmotiv, surtout à Lumumba, au Katanga. Sous la pression de Bruxelles et de Léopoldville, Tshombe finira pourtant par donner son feu vert au transfert de Lumumba dans la capitale katangaise. Dans la journée du 16 janvier, la décision est prise. Lumumba, Mpolo et Okito sont embarqués manu militari dans un avion à destination d'Elisabethville. Leur gardien Balouba se déchaîne contre eux tout au long du trajet. Ils seront dans un très mauvais état quand ils arriveront. Enfin, ça a été lamentable à tout point de vue, au point que le commandant de l'avion est entré, je crois, à un moment donné dans la carlingue et a dit « Écoutez, il faut arrêter de maltraiter les prisonniers parce que les coups que vous donnez déstabilisent. » On sait. Mais donc vous savez après que Tshombe va se rendre dans la ville? Non, ça on ne sait pas.
les gens sur place au Katanga qui avaient le pouvoir pour prendre en protection Lumumba et qui étaient les supérieurs des militaires et des policiers qui ont finalement, pendant les 5 heures que Lumumba a encore vécu sur le sol katangais, été responsables pour lui pendant qu'il était torturé et finalement assassiné. Ces gens-là pouvaient arrêter le déroulement des événements, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et bon... Ils avaient les moyens de le faire ? Ben, ils le disent lui-même. Le major Weber le dit lui-même. Il dit les officiers belges, officiers d'armée et officiers de police sur place, ils pouvaient l'arrêter, cet assassinat, s'ils le voulaient. Alors il ajoute, mais moi je n'ai pas à me remettre à la place de leur conscience. Mais le fait est là que le major Weber et les autres officiers supérieurs ne sont pas intervenus, bien qu'ils savaient bien qu'il allait mourir. Jacques Brassine le dit aussi. Hein. Il était aussi aux réunions des dirigeants belges au Katanga et il dit à un certain moment, on est tout à fait sûr qu'il va mourir, mais on est resté muet comme des carpes. Bon. Qu'est-ce que vous déduisez de la responsabilité belge par rapport à la présence qu'il y avait sur place ? Mais il n'y a pas de responsabilité. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune responsabilité belge. Tous les Belges qui sont là ne dépendent plus de Bruxelles. Ils dépendent des autorités katangaises. Hiérarchiquement, ils dépendent des autorités katangaises qui leur donnent des instructions et qu'ils exécutent. Qu'ils exécutent en toute bonne foi. En début de soirée, Moïse Tshombe réunit ses ministres pour décider du sort des... Qu'il y avait des Belges ? Oui. Oui, il y a des Belges. Il y a des Belges. Bon. Les Belges, ce sont ceux qui ont assuré la garde des prisonniers et le commissaire de police, Franz Verschuren. Franz Verschuren est l'homme de main de Mobutu, de ce que je raconte, de Munongo, qui a la police dans ses attributions. Donc, Verschuren est là, il met ses camions et sa jeep de manière à couvrir par les phares un endroit qui se trouve à je ne sais pas moi, 25-30 mètres, je vais compter les mètres, de l'arbre contre lequel on va adosser les prisonniers. C'est Franz Verschuren qui va jusqu'à l'arbre, le met devant l'arbre. C'est, je pense, Lumumba qui est assassiné, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, exécuté, en dernier lieu, d'après ce qu'on m'a dit. Bonjour! Feu! Et puis après ça, il est 9h du soir, il est 9h43, comme dit le carnet de Verschuren, qui a pris. Et la seule chose qu'il a notée, c'est l'heure de l'exécution. Quelque chose d'autre vous a intrigué durant ces travaux, c'est l'agenda d'un commissaire de police, Verschuren. Que disait cet agenda ? Il n'avait gardé qu'un agenda de toute sa vie, l'agenda de 61. Et dans cet agenda, c'était seul le mois de janvier qui était rempli. Et quand on a vu donc cet agenda, on a évidemment le 17 janvier. Et voilà qu'il y a là, elle, doorgevoerd. On pouvait immédiatement voir qu'on avait changé les mots. C'était elle, le Mumba, d'autres. C'est quand même, c'est une phrase, pas peut-être, on sait que le Mumba est mort. Mais c'est la seule phrase qui nous dit que cette journée-là, à 9h43, il a été exécuté. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages oraux sur l'affaire, mais il n'y a pas de document écrit. Ceci est assez précis. Et donc c'est le seul document écrit qui nous dit que Lumumba est mort ce soir à une heure très précise. Vous l'apprenez le lendemain. Est-ce que vous êtes étonné ? L'apprend le lendemain. Le soir même, on s'est vu au bureau conseil avec le colonel Van de Waal, et comme l'a dit très bien résumé le major Weber, on le voulait, on l'a,
et on est bien emmerdé. C'était exactement notre sentiment. Je ne suis pas sûr que si on le voulait, c'est pas vrai, nous on le voulait pas, mais enfin, je ne transige pas sur les paroles de Guy Weber, c'est ce qu'il a dit, et c'était le sentiment de tout le monde. Je me souviens, j'étais me promener avec le colonel Van de Waal, je dis maintenant, il va falloir faire très attention parce que tout va bientôt basculer, et en fait, au moment où je dis ça, ça avait déjà basculé. Les autorités katangaises cachent la mort de Lumumba pendant plusieurs semaines. Elles mentent effrontément à la presse internationale, affirmant que Lumumba s'est enfui, puis qu'il a été massacré par des villageois. Son exécution ne sera officialisée que le 21 février 1961. La nouvelle provoque des manifestations d'indignation dans le monde entier. Patrice Lumumba est mort. S'il est la victime d'un assassinat politique, nous condamnons énergiquement un pareil attentat. Le gouvernement l'a dit hier à la Chambre, et je le répète aujourd'hui. Tout prisonnier doit être traité humainement et jugé par des tribunaux réguliers. Mais, parce que Patrice Lumumba est mort, victime des déchirements du Congo, le gouvernement et l'opinion belge voient leurs drapeaux et leurs ambassadeurs insultés et menacés. Lumumba deviendra rapidement un mythe. Pendant des années, on prétendra que les responsables de sa mort étaient exclusivement congolais, sans convaincre. Puis des livres, des films vont progressivement lever les mystères qui planaient sur cet assassinat politique. En 2000, 40 ans après les faits, la commission d'enquête parlementaire belge a revisité en profondeur pendant 18 mois toute cette affaire. Rappel de sa conclusion, la Belgique porte une responsabilité morale dans cet assassinat. Qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité morale? Voilà, la Belgique a déstabilisé le gouvernement Lumumba. Il a empêché la réconciliation de Lumumba avec les autres hommes politiques congolais après le 5 septembre. Ils ont insisté pour qu'il soit arrêté. Ils n'ont jamais insisté pour qu'il soit un procès. Et ils ont soutenu le transfert. Voilà, ils ont créé la condition ou les conditions dans lesquelles il pouvait être assassiné. Je pense que cette notion de responsabilité morale est assez lourde. C'est vraiment une expression qui est stupéfiante. Hein. On suggère qu'en quelque sorte, on a à voir avec un crime qui serait moins un crime en 60 qu'en 2010. Prenons les conclusions. Et bon, finalement, on dit que dans la conclusion qu'il y a une responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Bon, j'étais à la conférence de presse où le président de la commission a présenté les conclusions. Il y avait 3 ou 4 journalistes qui lui ont demandé qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité morale. C'est quoi morale? Il n'a pas pu répondre. Mais s'il s'agit de savoir est-ce que c'est vous ou c'est vous ou c'est cette personne, ça devient un peu compliqué. Voilà, au lieu de dire il n'y a personne qui est coupable, où il n'y a personne qui est responsable, il y a une responsabilité pour la Belgique. Mais qui n'engage rien. Qui n'engage à rien. À quoi est-ce que ça doit engager? Dire qu'un pays est responsable moralement pour le désastre qui s'est déroulé, c'est quand même un peu lourd. Et pour vous, comment est-ce que vous l'interprétez? Moi, je l'interprète comme ça, qu'on a essayé d'éviter des conclusions qui pouvaient avoir des répercussions pratiques. Judiciaire, financière, très importante. Et notamment, une des tâches de la commission était de désigner individuellement les responsabilités des Belges dans l'affaire. On n'a pas fait. On n'a pas indiqué les individus nominatim qui est responsable pourquoi. Est-ce qu'il reste des archives? Est-ce qu'il reste des témoins? Ça, je ne sais pas. Mais donc... Voilà, mais peut-être que jamais on ne saurait toute l'histoire. En tout cas, je pense qu'il y a encore lieu de faire des recherches supplémentaires. La Belgique présente ses excuses pour son rôle joué en 61 lorsque Patrice Lumumba, le premier ministre congolais, était assassiné. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui,
certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Le moment est historique et solennel. La Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du Premier ministre congolais. L'intervention de Louis Michel clôture le débat parlementaire sur le rapport de la commission Lumumba. Des débats marqués par un consensus général, même si certains intervenants ont souligné qu'il aurait fallu insister un peu plus sur les victimes belges des événements du Congo. Ce matin, la famille Lumumba a été reçue par le gouvernement. Le Premier ministre a présenté les regrets de la Belgique ainsi que la décision de créer un fonds Patrice Lumumba pour le développement de la démocratie au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette fondation n'a pas vraiment fonctionné et on ne sait pas très bien à quoi elle servait. C'était un geste de bonne volonté. Il a été posé, mais il n'a pas été concrétisé. Mais ce qui est sûr, c'est que la Belgique a décapité cette jeune démocratie congolaise. Et là, je crois qu'il y a un crime qui a été commis à l'égard d'une personne, à l'égard d'une famille, la famille Lumumba, qu'on a privée du chef de famille. Mais il y a aussi un peuple dont on l'a privé de son leader représentatif élu. Et à travers lui, on a décapité cette jeune démocratie congolaise qui aurait pu prendre racine. Et on sait à quel point les Congolais l'ont payé. Et pour moi, ça, c'est le principal reproche que l'on peut adresser à ceux qui voulaient l'élimination de Lumumba. On peut tourner la page, mais vous n'allez pas nous demander qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons aussi le droit de mémoire. Ainsi, 40 ans après la disparition du leader congolais, on commençait enfin à y voir un peu plus clair dans la mécanique infernale qui a mené à son assassinat. Mais l'encre a continué de couler jusqu'à aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, et risque de couler encore, car tout n'a peut-être pas été dit. Les relations entre la Belgique et le Congo se sont réchauffées. Pour le peuple congolais, la longue marche vers le développement continue. Mais ici comme là-bas, le nom de Lumumba suscite encore le malaise et le doute depuis ce soir du 17 janvier 1961, depuis ce jour-là.